No! 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 Ouais. Lève-toi, paresseux. On a le Covid-19. Quoi? J'ai le Covid? J'ai le Covid? Ouais. Mais non. On n'a pas le Covid. On a gagné l'appel d'offre Covid-19. Dégrouille-toi. On a besoin de toute l'équipe au complet. D'accord, j'arrive. C'est ça. Oh là là, quel cauchemar. C'est qu'un cauchemar. Oh. Hey, Miboui, t'es fou quoi? Garde tes distances, ouais! Miboui, calme-toi, c'est que moi, Moussa! Hey. On dirait que tu avais. Merci, mon gars. C'était moins une, hein? Ouais, moins une pour me mettre ton virus, ouais. Miboui, tu sais que c'est très dangereux de se déplacer sans porter de masque? Hey, c'est pas pour rien que le gouvernement nous l'impose, hein? Et c'est pas uniquement pour ta santé, mais celle de ta famille, boy, ainsi qu'à toute personne avec qui tu es en contact. Boy, écoute, je ne crois pas à ces choses-là, d'accord? Et puis porter un masque, c'est un truc de toubab. Boy, n'oublie pas qu'on est des Africains. Le microbe ne tue pas le noir. Elle pallie dans tout ça. Hein? Le choléra, la fièvre jaune, et même récemment l'épidémie d'Ebola. Viens me dire que le virus ne tue pas les noirs. Bon, écoute, j'avoue que tu as raison. Franchement. Tu sais, les gens comme moi, on pense que tout est complot. Et au moment où on se rend compte, c'est déjà trop tard. Voilà. Mais écoute, je vais tout de suite me procurer des masques. Pour ma famille et pour moi. Très bonne idée. Tu commences déjà par celui-là. Et tu fais passer le message. Tiens, Dieu foi. Masque pour tous. Et tous ensemble, on vaincra le Covid. Allez au taf, mec. Hey, distance, distance. Bon, les gars, comme vous le savez tous, notre budget a été validé. Et vous convenez avec moi que le casting s'impose dans un bref délai. Brems. Oui, chef. Trouve-moi le maximum de comédiens. Compris. Et Moussa, prépare la régie et la HMC. Et trouve-toi un assistant. D'accord. Toi, Tunkara. Oui, chef. Tunkara, commence par garder tes distances. Ok. Encore. Ah, Tunkara, viens ici, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quoi encore? Reviens ici, voyons. Ah, d'accord. Tu as entendu le boss? Oui, j'ai entendu. Et Corona, Lama. On t'a dit Lama. Vous n'avez pas entendu? J'ai dit au boulot. D'accord, chef. Oui, chef. Trop bête, toi. Tunkara, c'est pas ici. Corona, c'est là-bas. Ah. Aïe, comment ça? Donc, c'est pas ici, hein? Non, là-bas. Ah, affaire de Corona, là. On dit ici, vous dites là-bas. Vous connaissez rien. Mais dis-moi, non, c'est vrai. Ah ouais, c'est propre, laisse ça comme ça. C'est bon? Ouais, nickel. Oh non. Le corona, là-bas. Ah, la frise. Okay. Oh. Je vais devenir fou, là. Moussa? Oui? Il y a un problème.
Tu te sens pas bien? Non, tout va bien. Tu sais, Fatou, en cette période de pandémie, il faut surtout rester propre. C'est pour ça que je me lave les mains. Mais tu as raison. Surtout qu'il y a du matériel qui traîne un peu partout là et nous travaillons avec. C'est pas très hygiénique ça. Hein? Mais c'est pour ça qu'il faut se désinfecter les mains et le matos. Ah! Si c'est ça, tranquille. Moi, je me suis lavé les mains en quittant chez moi. Hmm? J'ai même mis du gel hydroalcoolique. C'est bien. Mais... Donc crois-moi que, me concernant, il n'y a pas de problème. Déjà, tu as pris le taxi en venant. Le nombre de poignées de porte que tu as touchées. Sans compter les boutons de l'ascenseur. Mais ma chère, le virus aime bien ces endroits. Hein? Tranquille. Le savon est à côté du lavabo. Merci. Je suis tranquille, j'ai touché du gel, j'ai sorti de... Le corona va te tuer tout de suite. Attends, il faut se désinfecter. Laver les mains, distance. Bon, comme vous le savez, nous sommes de plus en plus exposés à ce virus. Mais cela ne nous empêchera pas de travailler. On a un objectif à atteindre, livrer un travail béton et dans les temps. Tu as tout à fait raison, Brems. Voilà. Salut mes loulous. Salut. Salut Alima. Ah, enfin, wow. Notre bien-aimée costumière. Mais tu es toute belle, Alima. Avec ton masque assorti à ta tenue, tu es magnifique, ma chérie. Ma chère, c'est ma façon de contribuer à la lutte contre le coronavirus. Je fais des masques alternatifs lavables avec une touche fashion. Toi aussi. C'est moi ou bien c'est pas moi? C'est toi-même, alors. Alima, ça te va ravir. J'aimerais bien en avoir. Je fais comment pour en avoir? Mais c'est cadeau. Super. Et vous dites, merci, à vos proches que s'ils en veulent à sortir à leur tenue, je leur fais un prix Corona. Non, c'est pas la peine, je te prends tout. Tu vas où? Tu voulais aller où là? Distanciation sociale avec elle là, c'est 3 mètres. Faut reculer là-bas. La distanciation a ses avantages, hein? Je te le fais pas dire. Samba, je trouve que le comédien sélectionné maîtrise bien le personnage et son texte. Parfaitement. Et c'est comme ça que je veux qu'un acteur soit. Maîtriser son texte et surtout être à l'écoute. C'est important. En tout cas, lui, c'est sûr, hein, il nous a séduit. C'est vraiment un talent sûr. Ouais. Patron, patron, patron. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Ah, patron. Hey Dieu, il y a ma femme qui vient de m'appeler là. Et après? Elle dit son grand-père là. Il fait de la fièvre. Et puis ça fait 2 jours là. Il ne fait que tousser là. Donc je suis venu prendre la permission pour l'emmener à l'hôpital. Oh, surtout pas ton cara. Non, mais tu es fou. Faut jamais faire ça. Pourquoi? Et ton cara? Et patron? Calme-toi, ça va s'arranger. Ok. Tu savais pas que l'État a mis des numéros d'urgence au cas où ces genres de situations se présentent? Je savais pas où. Ah, moi j'ai loin Clando pour l'emmener à l'hôpital là. Hein? Et puis les pauvres là, il vit avec son fils et ses enfants, son frère, sa femme et ses enfants. Vraiment c'est compliqué quoi. Hein? Il y a même mon cousin là qui voulait y aller avec sa femme. Mais ton cara, j'ai dit. Non, il faut même pas le toucher. La distanciation sociale, et ça commence par rester chez vous. Faut pas prendre le risque de ramasser le virus et de le ramener chez les gens qu'on aime. Surtout ici, boss. Je savais pas ça, c'est vrai, je savais pas. Retiens bien le numéro d'urgence du ministère. Hein. Uh-huh. 800 00 50 50. SAMU 15 15. Eux-mêmes te diront quoi faire. Et surtout, dis à son petit-fils là de ne pas le déplacer et de respecter la distance avec la famille. Mmh. En attendant, va retrouver ton poste. Ok, patron. Et veille à ce que tout le monde met son masque et respecte les gestes barrières. Ok. Vas-y. Merci, patron. Mais, patron, avant de partir là, je voulais savoir, le ministère du SAMU là, vous avez dit c'est 800 00 50 50, ou bien Tonkara, uh-huh. Ministère de la Santé. Ah, ok, ministère de la Santé là. Donc c'est 800 50 50 00. Ou bien SAMU 1515, c'est ça, hein? 800 00 50 50. Donc c'est 800 00 50 50, SAMU 1515, hein? Voilà, c'est ça. Ah, je ne savais pas, oh. Merci, merci beaucoup. Mais, hey, patron, entre nous là, je dis, oh, si j'appelle là, ils ne vont pas bouffer mon crédit comme ça. Tonkara, c'est gratuit. Ah, gratuit. Non, ça là même, c'est bien même. Merci, hein? Vraiment, quand c'est gratuit là, c'est bien même. On est vraiment obligé de le garder. Comment faire? Appelez ministère de la Santé, 800 00 50 50. Il a dit quoi encore là? Ah oui, SAMU 15 15. SAMU 15 15. Appelez ministère de la Santé, 800 00 50 50. Hé, hey, tonton Covid, toi tu pensais que tu allais gagner le match là. Nous on mène 20 euros là. Et puis c'est ça, tu veux dire tu vas gagner là. Appelez ministère de la Santé, 800 00 50 50. Appelez ministère de la Santé, 800 00 50 50. SAMU 15. Excusez-moi, monsieur. Oui, madame. Vous êtes sûr que ça va? Je peux vous aider? Non, 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 ça va, en fait. Je suis en train de répéter le numéro d'urgence du ministère de la Santé, là. Hein, au cas où je tombe sur un cas suspect de Covid-19. La Covid, c'est rien. Eh, comment ça, c'est rien? La Covid-19 est parmi nous, tu comprends? Et nous devons lutter ensemble.
Et puis, pourquoi tu transpires comme ça? Tu as la fièvre, hein? Ah, c'est vrai que je me sens toute bizarre tout d'un coup. Ah, recule là. Toi, là, tu peux avoir la COVID-19 comme ça. Quoi? Bien sûr. La COVID? Oui, oui. Ah, c'est quoi déjà le numéro? Attends, reste là-bas. Le numéro du ministère de la Santé, là, c'est 800-00-50-50. Oui. 800-00-50-50. Si tu es faible, là, oui, tu appelles le SAMU. 15-15. SAMU, 15-15. Oui. T'as compris? Oui. Voilà. Ministère de la Santé, 800-00-50-50. Ministère de la Santé. Ministère de la Santé, s'il vous plaît, monsieur. Brems, j'ai lu dans le scénario que vous parlez de fake news. Ah oui, c'est un point essentiel à la lutte qui fait entrave aux consignes données par le ministère de la Santé. Et surtout, les démarches à suivre face à la lutte pour gagner, tu vois. Ok, je vois. Ok, merci. Vous savez, maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu expert en santé infectieuse, tout le monde est devenu docteur et tout le monde pense qu'il a raison. D'ailleurs, j'ai entendu dire que si jamais tu bois beaucoup de citron avec de l'huile d'olive, tu ne contractes pas le virus. Non mais il y a des gens qui continuent de croire ça. Écoutez les gars, c'est vrai que les recettes de grand-mère ont des vertus avérées. Merci. Mais pour le Covid, nous devons le prendre très très au sérieux. Et surtout écouter les consignes du corps médical. Chier. Mais le gars a percé, hein. Vous savez, Moussa a bien fait de souligner l'importance du rôle du personnel de santé et surtout le rôle colossal qu'il joue dans cette lutte. Vraiment, ils sont à encourager et surtout à remercier. Ouais, franchement. Ça c'est vrai. C'est vrai, mais nous aussi, évitons de faire circuler de fausses informations, hein, mademoiselle? Ça aussi, ça aide. Attendez, attendez. C'est aussi grave que ça? Mougine. Pourtant, avec tout ce que j'ai lu sur les réseaux... Écoute, l'autre jour... J'ai entendu ma copine Aïcha dire... Fatou, qu'est-ce que tu viens nous dire comme ça? Hein? Mais c'est à nous d'être conscients. J'ai entendu ma copine Aïcha dire que si jamais on est malade du Covid, l'État nous donne 50 000 francs. Et 50 000? Mais où t'as vu qu'on payait quelqu'un s'il est malade? Non, vraiment, hein? Vous ne facilitez pas la lutte, hein? Avec toutes les absurdités que vous sortez, là, on va tous mourir. Non, qui, hein? Attendez, hein. Bon, ici, on respecte les mêmes mesures que l'Institut français. Hein. Entrez. Voilà, respectez la distance, le traçage au sol. Et Brems, veille à ce que chacun met son masque. Ah, ça, c'est sûr, c'est ce qu'il faut. Et fais gaffe, aujourd'hui, le patron, c'est pire que le Covid. Ah, Moussa, lui, je gère. Attrape. Merci. Ah, aujourd'hui, Fatou, elle taffe sans parler. Masque. Alors? Nous, ça y est, on est prêts. La tenue vous va à ravir. Super tenue. Merci. La déco, dans combien de temps vous êtes prêts? 1 minute. C'est parfait. Brems, va voir dans combien de temps on peut commencer à tourner. Ah, on est prêts, hein? Merci. Bon, les gars, n'oubliez pas, il y a du gel posé sur la table. Et mettez vos masques après chaque prise, s'il vous plaît. Merci. Alors les filles, dans combien de minutes? Dans 1 minute. Ah, c'est beau. Alors, moteur demandé. Mais moteur à la fin! Silence! Éteignez mon portable, s'il vous plaît. Moteur! Annonce. Covid-19, ça tourne 1 sur 1, premier. Action!